de Chauveuse. Didi B prépare un autre gros coup. De quoi s'agit-il? On vous donne tous les détails. Après son titre de meilleur artiste New Style Music remporté au prix MUD, manager confirmé va parler à ses détracteurs. Il est l'invité de Showbuzz. Candidate de Secret Story et Miss Mali 2024, Maimouna Keita sera également de la partie. Prends ton tabouret, assieds-toi bien. Showbuzz commence tout de suite et maintenant. Le sage papouin a dit ceci. Quand tu voles viande en sauce, lave bien tes mains. On ne sait jamais. Peut-être que les conséquences peuvent être dramatiques. Bonjour, cher papouin, chère papouise, cher papoué. Très heureux de partager, n'est-ce pas, ce moment unique, hein, moment de dépaporisation sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne avec vous. C'est moi, DJ Moulukoukou, président élu démocratiquement à vie de la Papouasie. El Cuadraduro, el Pedrino, el Maestro, el Unico, el Peligroso, el Excellentissimo, el Talentoso, el Capo, di tutti capi. Voilà. Allô? Yamé. Allô? Yamé. Et quand y a Gbaré? Y a dépaporisation. C'est comment? Je veux rappeler avant de vous dire bonjour, avant de dire bonjour à madame la sénatrice que tout à l'heure, dans le cours de l'émission, nous allons parler avec un artiste international. Un artiste qui a fait parler de lui par ses belles chansons, ses belles mélodies. C'est Singila qui s'apprête à fêter 20 ans de carrière. Ça sera pour tout à l'heure. Pour l'instant, bonjour au regard fracassant, entraînant, émerveillant, mocossant. Oui, président. Mimi, j'ai fait exprès pour que toi et moi soyons seuls sur le plateau pour discuter. Il est là, babaï. Eh bah, iba. Babaï, babaï, iba. On est quoi, président? Mais ça va très bien, et toi? Ouais, ça va, ça va. D'accord. Un peu de verre, on parle de la nature, oui, de la nature, verdure. Africa. Africa, hein? Comment tu peux m'induire en erreur? Comment tu peux m'induire en erreur? Africa Sport, voyez! Asek Mimosa! Alors, tu, quoi? Tu penses à quelqu'un ce matin? Oui, aujourd'hui c'est l'anniversaire du peintre Brice Doudou. Oui. Il nous a offert un magnifique tableau. À la fin de la saison, c'est son anniversaire, voilà. Donc on lui souhaite un joyeux anniversaire. Plus de bénédictions, Doudou. Et continue de. On dit quoi? Peintre, non? Peintre. Toi et moi, nous dans les peintures, on dit peindre. De peinturer. Doudou, bon anniversaire. Et puis, bon anniversaire à toutes les personnes qui fêtent un an de plus. Vous le savez, Showbuzz, c'est l'émission qui nous rassemble tous, l'émission qui apporte de la joie, de la gaieté. On pense à toutes les personnes qui ne se portent pas bien, toutes les personnes qui cherchent du boulot, toutes les personnes pour qui c'est difficile, toutes les personnes, n'est-ce pas, qui croient à la vie, qui vont hein, contre vents et marées. On vous apporte de la force. Allô? Allô? Et quand il y a Gbaré? Il y a des vaporisations. C'est comment? Bien. Et c'est combien? Je déclare ici ouverte la 49e session de dépaporisation de la saison 4 de Showbuzz. Allô, 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 allô. Sur le mur de la... Sur le mur de la Papouasie, aujourd'hui, une publication de Didi B qui annonce le lancement de sa première marque de champagne. Jambier! Waouh! Eh? Waouh! Alors, ça vous fait quoi d'apprendre ça, madame la sénatrice Mimi Blonde? Ah, my Blonde! Moi, quand j'ai vu ça, là, j'ai dit, eh! Didi B, c'est pas long, mais. Parce que là, ça prouve que. Il y a du travail. En fait, il y a du travail autour. Oui. C'est champagne, hein, ils n'ont pas de coutoukou. Il a de... C'est-à-dire que c'est sa marque de champagne. C'est une boisson de prestige. Très, de prestige, très classe. On sent qu'il y a, y a du boulot autour. Et je suis très fière. Ah! Le level est très haut. Et moi, je pense que c'est ça, un artiste. C'est-à-dire qu'un artiste, ça fait rêver. Didi B... je salue déjà son équipe
qu'il a une superbe équipe qui bosse avec lui. Autour de lui, il y a des conseillers, il y a des gens vraiment qui croient en lui. Exactement. Il y a des gens qui lui donnent de bonnes idées. Le champagne, c'est ce que je dis, c'est une boisson prestigieuse. C'est un pétillant prestigieux. Donc, sortir une marque de champagne, waouh, il faut avoir du cran quand même. Ouais. Ouais. Voilà, on boit. Voilà, on boit. Il y a quel champagne? Donnez-moi le champagne. Donnez-moi le Didi Champ. Le Didi Champ. Le Didi Champ. Mais franchement, ça fait plaisir. Hein. Oui. Et puis, ça donne envie, n'est-ce pas, d'explorer d'autres chantiers, n'est-ce pas? Oui, de bosser. Ouais. C'est-à-dire qu'il ne faut pas seulement se contenter d'être artiste, mais se contenter de ce qu'on a déjà. Ouais. Sinon, ça va chez Zibé. Ouais. Il a déjà une maison, ça va chez lui, il est épanoui, il voyage, il va où il veut. Mais pourquoi essayer d'avoir toujours encore? Parce qu'il veut, il veut être quelqu'un. Toujours plus, toujours oui. plus. Et ça, ce n'est pas le travail. Ouais. Il faut toujours se donner les moyens. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tu es en vogue, mais dans 20 ans, 10 ans, ce ne sera pas pareil. Les gens vont te demander, toi, tu moussais dans le temps, tu as eu quoi? C'est le moment d'amasser, il faut remplir le grenier. Parce qu'après, c'est comme ça. Moi, j'ai tout ça, c'est un peu frustrant. Parce que moi, il y a eu temps de parler de mes projets là. Devant la maison, je voulais mettre des choses table, on fait, bon, mais où aller là-bas? Mais oui, c'est ça, tout ça, c'est un projet, tu peux donner ça à Titi? Oui, non, moi non, bon, maïs moulou. Hein? Tu confies à Titi, il y a les machines, la machine d'achat. Moi, mes enfants, là, ils aiment trop, là, hein. Ils peuvent taper dans mon dos. Ah. Il y a vraiment mon truc, les enfants, on me voit, on vient acheter. Alors, Mimi, dis-moi, Didi B, il pèse quoi concrètement? Eh, Moulou, allez là, Didi B pèse lourd. Mm-hmm. Actuellement, c'est le plus grand businessman des artistes de sa génération. Ben ouais, ça c'est clair. Shogun Bayo, c'est au moins 28 trophées et récompenses. Un label de production, une marque de casque audio, une ligne de vêtements et maintenant une marque de champagne. Didi B, c'est plusieurs dizaines de millions d'investissements dans la musique et en dehors. C'est aussi plus de 6 millions de suiveurs sur les réseaux. C'est l'ambassadeur de plusieurs marques. Il a dit dans Bazaroff, son cachet, c'est minimum 20 millions. C'est fort. Pour aujourd'hui, réclamer un cachet d'au moins 20 millions, c'est dit qu'il y a eu du boulot qui a été fait. Alors, entre nous, est-ce qu'on peut encore comparer Didi B aux autres rappeurs? Mimi? Ça, c'est une question lourde, hein? Bon, tu sais, il y a des gens qui n'aiment pas médiatiser leur bien, leur projet. Ils ne parlent pas de ça. Peut-être que certains ont des projets que les gens ne connaissent pas, qui n'ont pas médiatisé, qui n'ont pas voulu que les gens sachent. Mais Didi B, lui, l'a montré pour lui. Tu vois, le comparer, il faut qu'il y ait du travail à faire encore. Il faut que les gens bossent. Ses collègues, il faut qu'ils bossent. Sinon, il est d'un autre level. Il faut qu'on soit clair, il est dans un autre level. Sinon, il y a certains qui ont des marques de vêtements, pas mieux. Il y a certains qui ont leurs projets. Il y a d'autres qui ont des sociétés, tout ça. Mais bon, allons avec ça. Voilà. Faut-il le comparer aux autres? Je sens que les papouas ont envie de réagir. Je vais aller en Papouasie d'abord du Nord. Qui souhaiterait répondre? Est-ce qu'on doit comparer, Didi B aux autres? Oui. Bonjour, tu te tiens debout. Est-ce qu'on peut encore comparer Didi B aux autres rappeurs? Alors, tu vas regarder la caméra là-bas. Voilà. Bonjour, moi c'est Chris. Mmh. Bon, moi, je pense le micro devant la bouche. Je ne pense pas qu'il faut comparer Didi B en ce moment-là. Mmh. Parce qu'il ne se limite pas seulement qu'à la musique. D'accord. Mmh. Il est parti dans l'entrepreneuriat en innovant dans la boisson. Mmh. La champagne, je ne pense pas qu'il y ait un artiste ici qui ne dit pas qu'il ne boit pas de champagne. Ouais. Donc, il est train d'innover dans le champagne pour monter encore. Donc, il est incomparable en ce moment. D'accord. Voilà. Voilà. C'est bien dit. Qui d'autre voulait réagir? Oui, bonjour. Bonjour, moi c'est Wilfried Touré. Wilfried. Selon moi, on peut toujours le comparer, vu qu'après lui, il aura des décennies après. Ouais. Il faut garder le micro. Donc, il y a certaines personnes aussi qui vont se lever pour se battre aussi. Mais donc, par rapport à ce qu'il fait, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs qui le font? Bon, en ce moment, ce n'est pas possible. D'accord. Mais plus tard, ce serait possible. D'accord. Là, c'est votre avis, on respecte. Je reviens d'abord à vous. Je vais aller trouver une papouase du Sud. Une papouase du Sud. Vous! Papouasie du Sud, voilà. Tenez le micro, mademoiselle. En Papouasie, on parle. Allez, tenez le micro. Bonjour, on se tient debout. Comment on t'appelle? Bonjour, moi, c'est Sarah. Voilà, la caméra est devant toi. Alors, Sarah, voici ce que Didi B réalise. Aujourd'hui, on sait qu'il il est suivi par des millions de personnes. Aujourd'hui, il investit dans le champagne, dans sa propre marque de champagne. Est-ce qu'on peut le comparer encore aux autres rappeurs?
Bon, je pense que oui. Tu penses que... Tu penses quoi? Tu es timide? D'accord. Alors, bonjour. Oui, alors, on t'appelle comment? Mawa, voilà, voici ce que Didi B réalise aujourd'hui. Est-ce qu'on peut le comparer aux autres rappeurs? Bon, moi, me concernant, c'est non. Parce qu'actuellement, là, il est plus fort que les autres. Et puis, avec ce qu'il fait actuellement, je dirais qu'il est plus élevé. Donc, on ne peut pas le comparer aux autres. D'accord. On respecte ton avis. Merci, Mawa. Merci. Alors, qui d'autre voulait réagir? Oui. Bonjour. Voilà, dernier intervenant. Alors, bonjour. Bonjour. Ton nom? Moi, c'est Albéric Zadio. Albéric, d'accord. Est-ce qu'on peut comparer Didi B aux autres? Bah, chez moi, hein, Didi B, ouais, on peut le comparer. Puisque de nos jours, à la nouvelle génération qui vient. Oui. Sans oublier aussi le Imra derrière. D'accord, oui, mais... Donc, on peut toujours le comparer. D'accord. Et par rapport à ce qu'il est en train de faire, tu vois, là, on parle de... Il sort sa propre marque de champagne. Est-ce qu'avec tout ce qui, avec toutes ces performances, tout ce qui, là, en ce moment, on parle d'entrepreneuriat. Est-ce qu'on peut le comparer aux autres? Est-ce qu'il y a d'autres rappeurs qui se rapprochent de Didi B? Bon, là, mon vieux, c'est fort, hein? Ah! Ben ouais, là aussi, il a fait du boulot, la barre aussi. C'est un monument aussi, en tout cas, mais... Les autres, ils vont venir un peu, mais en tout cas, là, il est devant. Il est devant, d'accord. On va retenir ça, merci. Merci à vous, les papouas. Merci. Alors, parlons maintenant de l'actualité de Didi B. Il vient de lâcher un gros banger baptisé Bazarov. Bazarov. Moi, je veux concert en Guinée, y'a personne qui l'ouvre. Je fais des clips au musée du Louvre. Numéro uno en Afrique de l'Ouest. Ça bande sur mes sons comme sur Rema l'OS. Minimum 20 millions, sinon j'annule. Champagne et bulle, après j'éjacule. Rappeur en défaite que j'accumule. Shogun arrive, sur la chatte qui mouille. Ouais, je suis le nouveau boss de la musique ivoirienne. Dans mon gang, que des loups, que des gorilles. Tu joues les riches, mais tu reflètes la galère. J'affronte tout, audacieuse et ma carrière. Gouverner ce jeune négro, il fallait. Les en rouge, mais elle peut faire la fella. Sur conspiration, Ophélie. On s'en fout que tu fais. Suite. Allez, moi je veux. Il faut que tu félicites, champion. Wow. Et ce n'est pas tout, Didi B et José s'apprêtent à dévoiler leur nouveau clip, hein, leur nouvelle collaboration, démarrage, qui figure sur le dernier album de José. Wow. Croyez-moi, Didi B n'a pas encore fini de nous surprendre. À présent, Buzz News. Il prépare la célébration de ses 20 ans de carrière. Ça sera une tournée au cours de laquelle il va sillonner la Côte d'Ivoire, plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Et puis, c'est ça, tout le monde est content de savoir que Singila va fêter 20 ans de carrière. Bonjour Singila. Salut. La forme, j'espère. Ouais, nickel. Alors, 20 ans de carrière, que de chemin parcouru. Sous quel signe tu places cette célébration? Quel signe? Oui. La satisfaction, la reconnaissance, ouais. L'effort. Alors, tu as sorti pas mal de tubes. Laquelle de tes chansons te définit parfaitement? Avance en chantant. Hein? Le Rossignol. Ouais. D'accord, Mimi. Alors, bonjour, Singila. Salut. Parmi les pays que tu vas visiter, il y a la Côte d'Ivoire. Est-ce que tu es d'accord quand on dit que Abidjan n'a pas validé un artiste, ça ne va pas marcher pour lui? Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non, je ne peux pas dire ça parce qu'il y a plein de bons artistes que je n'entends pas forcément à Abidjan. Mais c'est vrai que quand Abidjan porte un artiste, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Alors, Singila, qu'est-ce que tu nous réserves pour la célébration de tes 20 ans de carrière?
Il y a des surprises, je peux pas tout dire, mais en tout cas, quoi qu'il en soit, c'est un voyage dans mon univers, tu vois. On va chanter ensemble, je vais vous interroger un petit peu. Ce sera un petit peu comme si c'était un examen de 20 ans pour voir si vous avez bien suivi, si vous maîtrisez. Je pense que pour l'interrogation, tout le monde aura 20 sur 20. Tu peux dormir tranquille, hein. Tout le monde aura 20 sur 20. Alors, Singila, ton cœur est pris maintenant, ou bien c'est tout, tu es toujours libre, tu es toujours dans les problèmes des trucs. Est-ce que c'est bon maintenant, tu as trouvé la personne idéale? J'espère toujours avoir trouvé la bonne personne. À Abidjan, ici, certainement? Je vais pas tout dire. D'accord. Donc, pour le moment, tu as un cœur à prendre, tu es libre. Non, j'ai pas dit que j'étais libre. J'ai dit j'espère que c'est la bonne. Donc tu l'as eu finalement. Peut-être. Oui. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux Ivoiriens qui t'attendent avec impatience? Surtout aux Ivoiriennes. Oui. J'ai envie de dire que la Côte d'Ivoire, c'est quand même un pays qui m'a particulièrement touché. Je peux raconter une petite anecdote parce que, bon, quand je suis au Congo, quand je suis avec ma maman et qu'elle parle de la Côte d'Ivoire, elle dit ton pays, tu vois. Elle dit ton pays. Et puis, il y a une fois, j'étais dans une petite situation sur Paris. On regardait un match de foot, d'ailleurs, big up à la Côte d'Ivoire, hein, champion d'Afrique. On regardait un match de foot et c'était Congo-Côte d'Ivoire, tu vois. Et donc on était dans un restaurant comme ça, et il y avait du monde. D'ailleurs, on était sur la même table, j'étais avec Arafat, tu vois, le défunt. Et donc ça se vannait dans tous les sens. Puis dans la vanne, on surenchérissait. Et il y a quelqu'un qui a dit un truc un petit peu bizarre, qui a commencé un petit peu mal parler, mais bon, c'était pas méchant, hein, mais il a commencé un peu mal parler. Et là, Arafat l'a arrêté. Il a dit, hey, par contre, là, je t'arrête. On blague et tout ça, mais là, je t'arrête. En dehors du fait que ce soit un grand frère, tu sais que celui qui a problème avec Singila, il a problème avec la Côte d'Ivoire. C'est là que j'ai vraiment su à quel point j'étais lié. C'est-à-dire que la façon dont je suis tombé amoureux de la Côte d'Ivoire, quand il a dit ça, j'ai ressenti une réciprocité. Ouais. Et ça m'a fait énormément bien. Et c'est bien réel, Singila, c'est bien réel parce que tu restes et tu demeures toujours dans le cœur des Ivoiriens. Écoute, merci de nous avoir accordé un peu de ton temps. Je rappelle que tu... À présenter mes condoléances à la famille de Valérie. D'accord. D'espoir de Mille qui nous a quittés. J'espère que de là où il est, il nous regarde et qu'il va continuer à passer tous les bons moments qui sont liés à la Côte d'Ivoire. Nous, on va continuer d'écouter ses chansons, d'aller dans son énergie et puis de le célébrer chaque jour. Merci, Singila. Alors, je rappelle que tu seras sur la scène du Palais des Congrès du Sofitel Ivoire le 21 novembre à 21h pour célébrer avec tes fans ivoiriens tes 20 ans de carrière. Allez, big up à toi, bro, et puis bonne chance pour la suite de ta carrière. Merci, Président. Alors, du nouveau dans l'affaire Apoutchou National. Mimi. Oui, Président. Apoutchou à la justice. Ce matin, Police Secours nous apprend qu'Apoutchou National et Lionel PCS seront présentés devant les juridictions compétentes, où ils devront justifier l'origine des fonds exhibés et répondre aux questions des magistrats. Il faut savoir que c'est après une enquête minutieuse qu'ils ont été arrêtés et placés en garde à vue pour s'expliquer sur les sources de ces sommes. Voilà. 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 Alors, est-ce que tu penses que... Mimi, tu penses qu'ils vont s'en sortir? J'ai confiance en la justice de notre pays. Et le reste, je confie ça à Dieu. Mm-hmm. Voilà, voilà. Et Dieu, ceux qui peut sonder les cœurs, qui peut apaiser le cœur des juges, ce sont des êtres humains comme nous. Et j'espère que les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, depuis hier, Apoutchou reçoit
du soutien de la part des acteurs du showbiz. Est-ce que tu penses que cela peut influencer le verdict des autorités? Pas influencer, c'est trop dit. Tu sais, les juges sont des dieux, ce sont des dieux sur la terre. C'est eux qui jugent. Donc, ça coûte rien de toujours demander pardon. Le pardon, c'est ce qu'il faut toujours faire dans ce genre de situation. Il faut demander pardon, il faut reconnaître qu'on a mal agi. Puisque un artiste, c'est l'image. Tu as une vitrine, c'est toi qui tu as la vitrine de ton pays. Il y a des comportements à ne pas avoir. Et quand ça arrive, on te sert d'exemple. La punition, c'est pour que ça serve d'exemple aux autres. Mais je sais que la justice fera ce qu'il doit faire. Moi, je pense que c'est bête de penser qu'il n'existe pas de justice chez nous. C'est bête de penser que tout reste impuni. Mm-hmm. C'est la preuve que nos institutions fonctionnent. Voilà, si quelque chose s'est passé, la justice a saisi cette affaire. Mais je pense qu'après, comme on a parlé d'enquête minutieuse, je pense qu'après ça, la justice sera peut-être clémente. Et puis, bon, tirer l'affaire au clair pour que notre Apuchu national soit libre. Alors, vraiment bonne chance à Apuchu et à tous les autres. Et puis, on attend la suite de cette affaire. Alors, dans un instant, le boss de la New Style Music, manager confirmé, sera sur ce plateau parce qu'il a quelque chose à dire à ses détracteurs. Donc, posez-lui toutes vos questions dans le live Facebook de Showbuzz. Et puis, juste après l'émission, il va vous répondre. Première pause et on revient juste après. Nous sommes de retour pour la deuxième partie de Showbuzz, l'émission officielle du showbiz. Notre invité du jour fait partie des lauréats des Primudes. C'est le patron de la New Style Music. Accueillons Manaja Confirmé. Manaja Confirmé. Manaja Confirmé. Ouais. Manaja Confirmé. Manaja Confirmé. D'abord. En tant que le président de la Papouasie, voilà le président qui est là. Uh-huh. Manaja Confirmé à son concert le 4 janvier. Uh-huh. Applaudissez un peu pour le président là-bas. Il doit bénir son fils Manaja Confirmé avec un sou de ticket. Ça va être 100 000. Si vous voulez l'applaudissez pour lui, un peu pour lui. D'accord. C'est le président. Applaudissez pour le président de la Papouasie. D'accord. D'accord. Merci pour la considération. Oui. Je vais mettre ça de côté ici. On va finir de parler et puis on va gérer notre histoire. Il n'y a pas de problème. Manaja, bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup. Ça va bien? Ça va bien. D'accord, on va parler avec toi. Ça sera dans Face à 3. OK. Manaja, tu dois nous promettre de dire la vérité. Oui. Seulement la vérité. Rien que la vérité et toute la vérité. Ouais. Lève ta main. On dit quoi? Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Alors, Manaja, tu as remporté un Primude dimanche. Yeah. Alors, quand on a dit ton nom, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Comment tu as réagi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, franchement, je me suis senti bien. Et puis, je sais que c'est moi qui allais prendre. Oui, aïe. comment tu as su? Bon, côté de vote, côté bon, quelqu'un qui gagne Facebook, qui gagne SMS là. Mm-hmm. Si on donne à quelqu'un d'autre, c'est que vraiment, c'est bizarre. Il a gagné Facebook, il a gagné côté paiement là, et puis côté gratuit, SMS, et puis côté truc. Forcément, c'est bon, il va prendre. D'accord. Donc, je savais que c'est bon, il allait prendre. Manaja, après la cérémonie là, tu as fait quoi? Après la cérémonie? Oui, après les Primudes là, tu as fait quoi? Bon, j'étais parti à la maison chez moi. Tu es allé à la maison, tu n'es pas allé fêter un peu ta victoire? D'accord. Je suis allé à la maison, je suis moi tranquille. Tu sais que tu as gagné dans... Tu as été le meilleur artiste New Style, c'est ça, non? Yeah. Dans ta catégorie, là, il y avait Abomé l'éléphant, oui. Sen Milano, oui. Onoki, Onayo. Oui. Attends. Donc, tu penses que tu es plus fort que tout cela ou que tu es meilleur? Non, je pense pas que je suis plus fort qu'eux. Mais tu sais, dans la vie, là, chacun... tu sais, souvent, les gens, quand on les met dans les catégories, ils vivent ces jours tellement d'aérés, ils ne prennent pas ça au sérieux. Alors que quand quelqu'un te met dans un premier, je ne sais pas, de truc, quoi. Dans une distinction. Dans une distinction, il faut te dire peut-être on t'a respecté, puis il faut te dire peut-être ton travail qui a fait que tu es là-bas. Donc selon toi, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Bon, certaines personnes n'ont pas pris ça parce que certaines personnes n'ont pas. Bon, et c'est parce qu'on nous a mis dans beaucoup de catégories. Sinon, ils n'ont pas pris ça au sérieux. Moi, partout où vous me mettez là, je vais prendre ça.
D'accord. Ah. Mais ça a été quoi? Ça a été quoi ta stratégie pour gagner? Bon, j'ai mobilisé les gens, hein. J'ai mobilisé les enfants. Tous les jeunes de mon quartier étaient chez moi à la maison. Mm-hmm. Donc, et toi, tu as misé combien? Bon, ça, on ne peut pas parler. Mais ça peut... Millions, ça va dans les millions? Bon, oui, ça peut aller là-bas. Hein. Oui. Donc, toi, tu as mobilisé le quartier. J'ai mobilisé tous les jeunes. À côté de ça, toi-même, tu as mis je aussi. Je suis assis là, et puis je les donne, transfert. Il a partagé les transferts. Hein. Et puis, je les donne, au moins... Mais là, Aziz 47, tu t'es aidé aussi dedans? Oui, il m'a aidé. Mon papa Raymond Petit a sauvé, m'a aidé. Maman Mati Dola, ma marraine. Mati, t'as donné combien? Maman Mati Dola, c'est elle-même qui a voté. Elle a voté beaucoup pour moi. Hein. D'accord. Maintenant, Aziz t'as donné combien? Elle-même, lui-même, là, c'est lui-même qui est le boss, même. Maintenant, l'autre papa troisième. Raymond Petit, lui-même, c'est le last, même. Raymond Petit a donné combien? Non. Quand tu rassembles Aziz 47 Jérôme, c'est Biti, non? Oui, papa Raymond Biti. Raymond Biti. Il est nommé demi-dieu. Demi-dieu. Quand demi-dieu est un peu Dieu, les deux vacances, ça fait combien? Bon, ça va dans les 2 500 000, hein? Je crois bien. Ouais. Alors, c'est quoi New Style Music? C'est quoi? New style music. Ça veut dire quelqu'un qui est en train de lui-même créer lui-même son style à part. D'accord. Il crée son style parce que moi je suis partout, moi je fais couper décalé Zaza Kumboboué. C'est quoi il dit couper décalé Zaza Kumboboué? Décalé couper Kumboboué. Kumboboué. Il peut faire rap. Je peux faire couper décalé. Je peux chanter en baoulé. Je peux chanter en djoula. Et je peux chanter aussi en anglais. D'accord. Donc, ouais, il dépose. Ouais. Donc, toi, tu es le boss de la catégorie New Style Music. Yeah. Et qui a créé la catégorie? Bon, je ne sais pas, moi, on m'a jeté dans... On t'a jeté dans... Ah. Okay. Non, on t'a mis dans la catégorie des nouveaux styles différents. Hein. Yeah. Okay. Et aujourd'hui, tu es le boss de la New Style Music. Yeah. Manager confidentiel. On a appris que tu prépares un concert au Palais de la Culture. Oui. Il faut qu'on en parle. Et oui. C'est quand déjà? C'est le 4 janvier. Le 4 janvier 2025. Au Palais de la Culture, 1500 places. À la 1500 places. Yeah. D'accord. À quel moment tu t'es dit, bon, ça c'est le moment, il faut que moi je fasse mon concert? Ouais. À quel moment? D'abord, je demande à tous ceux qui sont ici d'applaudir. Applaudissez ou bien applaudir. D'applaudir. Donc vous avez applaudi. Merci. Pas toi que vous êtes. Ok. Il y a demandé à tout le monde d'applaudir Maman Mati Dola pour moi. Maman Mati Dola. C'est une dame vraiment franchement qui. Je sais pas comment je vais la placer. Quoi. Elle fait beaucoup pour moi. C'est elle qui m'a appelé un jour, me dit ah mon fils, bon, moi je vais organiser ton concert. C'est elle qui a dit, c'est elle qui t'a proposé d'organiser ton concert. Je vais organiser ton concert. C'est pas elle qui est allée, c'est pas elle qui est allée vers toi, c'est toi qui est allée. C'est pas toi qui est allée vers elle, c'est elle qui est plutôt venue vers toi. Tout le temps, je suis avec elle. Oui. Donc, il voit les trucs qu'elle fait dans le conseil des gens. Donc, un jour, j'ai dit ça quoi. Elle avait pris ça au sérieux. Elle a pris ça au sérieux. Et comment vous vous êtes rencontrés, Mathieu et toi? Elle a mis mon affaire quoi, depuis que mon histoire et puis mon petit a commencé. À ce moment-là, ton histoire avec petit, qui? Avec mon petit DJ congélateur. Congélateur, ok. Elle était. États-Unis, donc. Elle-même, elle m'avait donné au moins. Elle avait sa résidence là, elle m'a donné 2 semaines, non, de sa résidence. C'est là que nous. Donc, elle aimait ton affaire et puis c'est parti là, vous avez commencé. Yeah. Voilà. Maintenant, mais je veux savoir les détails. Vous n'avez jamais parlé, donc. Oui. Comment elle t'a contacté? Bon, elle m'a contacté par le manager. Elle est passée par quel manager? Elle est passée par le manager, elle est passée par. C'est qui même? Bon, comme ça. Ça a duré, là, j'ai oublié. T'as oublié. Hé, Manaja, ton cerveau. D'accord. Et la première fois que vous êtes parlé au téléphone, qu'est-ce que t'as dit? Elle m'a dit, elle vient en Côte d'Ivoire, qu'elle va venir. Elle va me voir.
Donc, elle est venue, elle m'a appelé, je suis pas dans sa résidence, et puis on a commencé à... Nos liens ont commencé à s'approcher, quoi. D'accord. Ouais. Mais, manager, il y a un truc qui s'est passé le dimanche, là. Mm-hmm. Quand on a annoncé ton trophée, là, il y a un truc qui s'est passé. Je ne sais pas si on t'a dit ça, mais c'est un truc qui c'était grave. C'était quoi? Parce qu'il y a bébé sans os. Oui. Ouais, parce que lui, le... Tu vois? Oui. Il a pleuré. Ouais. Ouais, vraiment, il a pleuré. Donc, oui. Comment toi, tu vois ça? La situation? Bon, bébé sans os de moi, franchement, c'est quelqu'un que moi, j'ai aimé ton affaire. C'est quelqu'un qui se bat. Il fait ses trucs à sa manière. Chacun à sa manière. Chacun a son talent à sa manière. Mm-hmm. Bon, je l'ai promis que cette année, il va lui remettre le trophée. Je vais le laisser prendre le trophée. Cette année-là? Oui, je l'ai. Mais peut-être que tu es sorti dans le dos. Non, mais pourquoi ils sont sortis dans le dos? Parce que je vois que les autres, là, ils sont trop sur lui. Donc, moi aussi, je suis dans le truc. Mais je ne peux pas laisser le. Tu vois, non? Mm-hmm. Autre partie, il va venir prendre. Mm-hmm. Si au moins c'est lui qui était premier là, il allait laisser, il allait prendre, mais il n'était pas premier. Mais est-ce que tu sais que c'était un cauchemar pour lui. Regarde, il a pleuré. En fait, tu sais que c'est quand même. Le problème, c'est que c'est pas les autres. Hein. Mais toi, tu as gagné là, c'est ça qui lui fait mal. Apparemment. Pourquoi c'est toi? Apparemment, il n'aime pas. En fait, lui, son problème, c'est quand toi, tu gagnes à chaque fois. C'est son problème. Pourquoi Malanger a gagné devant lui? Non, en fait, non. Pourquoi? Les gens, c'est Malanger, il ne dit pas la vérité. Parce que lui, il pense que le père Mola, il a pris le trophée comme ça pour me donner. Tu vois, non? Il faut que les Malanger se disent la vérité que non. Ah, le trophée là, on vote avant d'y avoir. Oui. On travaille. Oui. Et ça, moi, il dit, il n'a qu'à travailler. Mais non, il ne travaille pas comme toi. Alors, Malanger, oui. Parce que nous tous, on lui a dit, ah, faut travailler comme Malanger. Bon, est-ce que toi, tu es prêt à l'aider pour qu'il soit à ton niveau? C'est ça aussi. Non, mais lui, il me dit que je suis son petit. Hé hey. mais est-ce que tu as une fois, tu as pensé à faire une collaboration avec lui pour lui donner la force? Bon, tu sais, un moment, je l'ai appelé, je dis, bon, Rourou, on va faire un son ensemble pour dire les Ivoiriens, pour dire les artistes de Côte d'Ivoire, pour dire que c'est nous qui est là. Nous devons faire un son ensemble. Et le son, là, ça va prendre. D'accord. Parce que Malanger a confirmé, avec Rourou, ils vont le dire, les deux, ils vont les chanter quoi, même. Mmh. C'est dans chanter quoi, là. C'est là, maintenant, les gens, maintenant. Ah, ouais. C'est dans chanter quoi, là. Et puis, ils vont soulever ça. Hey. Mais j'ai parlé, mais les gens, bon, ils ont tourné. Donc, moi, ils laissé dans mon coin. Donc, toi, tu penses que Bébé Sans, lui, il travaille pas. Bon, il ne travaille pas, mais bon. Avec le premier, il n'a pas travaillé. D'accord. Alors, pardon, tu permets. Revenons sur Mathilde là. Oui. Qu'est-ce qu'elle fait pour toi aujourd'hui concrètement? Bon, franchement, elle fait beaucoup pour moi. Elle fait beaucoup pour moi. Par rapport à mon concert, c'est elle qui est en train d'organiser le concert, tout. Donc, elle fait beaucoup pour moi. Non, tu dis elle fait beaucoup. Elle fait quoi concrètement? Elle paye ta maison? Qu'est-ce qu'elle fait? Non, pour le moment, elle ne paye pas ma maison. Mais. Elle fait quoi? Mais franchement, ce qu'elle fait, ça dépasse payer maison. Ce qu'elle fait. C'est quoi ta donnée qui t'a touché? C'est quoi qui dépasse payer maison? Vous savez, une dame qui vient. Parce qu'on dit, non, on entend beaucoup de choses. Elle fait quoi? Une dame qui vient, elle dit non, ah, Malanger, je suis encore du voir longtemps. Hein. Quand on dit Malanger, vous fumez, je suis là depuis longtemps. Il n'y a pas quelqu'un qui s'est levé, quoi. Malanger, il a fait ton concert. Elle a eu confiance en moi. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont dit, bon, on fait lui dans son concert même là. On va voir comment. Est-ce que les gens vont partir? Ils chantent quoi? Ou ils vont quoi? Mais elle n'a pas regardé ça. Elle n'a pas regardé, tu dis, ils chantent quoi ou ils ne chantent pas. Elle dit, Malanger, mais là, elle fait quoi dans ta vie? À part... Mais c'est ça que j'entends raconter là. Elle est en train de faire un concert pour moi. Donc ça veut dire qu'elle fait beaucoup de mal. D'accord, non, à part le concert. Donc, elle va organiser ton concert. Mon concert. Ça fait un. À part le concert, il y a quoi d'autre? Fait quoi encore? Bon, il y a beaucoup de choses qui vont arriver. Oui, dis, elle fait quoi encore? Non, mais bon, c'est pas quoi arriver, donc je ne vais pas dire. Non, elle, dans le passé, là, c'est qu'elle a fait pour ça quoi, t'a voilà. Marqué, là. Bon, elle me donnait l'argent. Elle t'a donné combien comme ça? La plus forte. Bon, elle me donne l'argent, franchement. C'est ce qu'elle dit. Mais c'est quand je l'appelle. Ah, maman, c'est comment? Actuellement, là, il veut un truc, hein. Ça t'a pas pour toi, viens. C'est quoi tu as demandé pour t'envoyer là? Un truc lourd. Bon, je lui ai demandé 2 millions non, un jour par rapport à un de mes projets. Elle a réglé ça. C'est quel projet?
Bon, ça vient, ça en cours. Il y a quoi, OK. Voilà. Ah, vous êtes en Papouasie. On dit tous les papos crous sont des crous. D'accord. Et donc, maintenant, 2 millions, ah, 2 millions pour un de tes projets. C'était quoi? C'était quel projet terrain? Bon, ce que je suis, ça... Ça a touché là. Ça a touché là. OK. C'était où ça, Yamsoko? Le vieux... Hein? On laisse le débat. OK, d'accord. Donc, à part, donc, elle a donné l'argent, elle a fait ton conseil, et puis elle a fait quoi encore? Est-ce qu'elle a déjà payé ta maison? Non, pas encore, pas mais encore. Ça vient. Mais ça vient. Ça vient. Donc, y a... mais, là, mais nous, on a appris que toi, tu dors chez elle, c'est vrai? Non, il ne dort pas chez elle. Tu ne dors pas chez elle? Non. Mais souvent, tu vas faire la sieste là-bas. Non. Mais c'est une maison, on peut aller dormir là-bas, c'est pas sa marraine. Ouais. Donc, OK, tu dors là-bas. Non, il ne dort pas là-bas. OK. Maintenant, elle a fait quoi d'autre? Non, bon, c'est bon. D'accord. Est-ce qu'à part le concert, elle a d'autres projets pour toi? Bon, elle a beaucoup de projets. D'autres projets qui n'ont rien à voir avec la musique. Oui. D'autres projets n'ont rien à voir avec la musique. On peut en avoir quelques-uns ou bien c'est... Bon, comme ce n'est pas encore venu, on ne peut pas parler. On ne peut pas parler de ça. Mais quand ça va venir, d'accord. Tout le monde sera au courant. C'est dans quel domaine? Agriculture, en tout cas. Bon. Le jeu. On est en train de toucher ça. Dans quel domaine? Bon, ça va dans le maquis, le projet de maquis, au moins. Bon, un restaurant aussi, maquis ou bien un truc de vêtements. Toi, tu es un garçon intelligent. Et puis aussi, créons ma marque aussi. Bientôt, je sors ma marque boisson. Didi B, attention, Manaja est là à côté aussi. Hein. Alors Manaja, qui t'a donné cette idée? Qui t'a donné l'idée de vouloir créer une marque? C'est mon papa Aziz 47. Aziz 47. Il m'a donné cette idée-là. Je vais créer ma marque de boisson. On appelle ça Molo Molo. Marque de boisson. C'est ça qu'on comme boisson. C'est boisson ou habit? Vin ou bien vin? C'est alcoolisé. Alcoolisé. On appelle ça Molo Molo. Molo Molo. Quand tu veux boire, va un peu, sinon... Moi, Stachy boit Molo Molo. C'est que quand on trouve quelque part, on est foutu. Donc, la boisson s'appelle Molo Molo. Molo Molo. Et ça sort quand? On a su les démarches. Vous savez, ça coûte beaucoup d'argent. D'accord. C'est du vin, c'est de la liqueur. C'est comme Codis. J'ai comme les... C'est énergétique. Bon, faut pas en faire. Voilà. Et toi, tu es au courant. Donc, énergétique. Et ça coûte combien? Bon, ça coûte pas cher. 500. 500. 500 francs. D'accord. Molo Molo. Donc, Molo Molo, on peut prendre ça au repas. Au repas. D'accord. Bon. Si tu es en train de manger ou bien si tu vois que tu es fatigué, ouais, tu prends Molo Molo. Mais quand tu viens prendre Molo Molo, va un peu. Vas-y, tu prends beaucoup. Ah, ça t'est terrassé. Ça veut dire Molo Molo. D'accord. Alors, tu as déjà investi combien dans ce projet-là? Bon, pour le moment, on est en train de faire les trucs. Les démarches? Les démarches d'abord. On n'a pas encore investi d'abord. Investi d'abord. Bon, je suis en train de contacter ceux qui font ce genre de... D'accord. Maintenant, et pour la marque d'habits, ça sera quoi comme style vestimentaire? Les habits, tout le monde peut porter quoi. D'accord. Tout le monde peut porter. Il y aura les femmes dedans? Forcément, il y aura les femmes dedans. Il y aura les femmes, les garçons, les habits descendent. Tu vois, la manière dont je suis là. Quand tu as dit, oversize. Tout ça. Voilà. Tu vois. Confirmé. Ah, défile un peu, madame. Défile un peu, là. Tu vois, faut pas après vous avez dit que non, nous on a pas. Bébé, ça os. Hein? Appelle ton frère, vous allez parler. Tu vois, on parle de Molo Molo, on parle d'habits. C'est le travail. Tu vois, non? Donc on pleut pas après.
Les spécialités, le cada. Alors, donc, on parle de vêtements. Et ça serait des vêtements pour enfants, pour les femmes, pour les jeunes. Ouais. Et puis pour les dames aussi, pour les personnalités. Puis pour parler, c'est des genre de trucs. Hein. D'accord. Tu travailles avec des stylistes? Bon, oui, je travaille avec des stylistes. DS Fashion a bien des stars. Et puis, je travaille aussi à... Il y a un styliste que, bon, j'ai oublié un peu son nom. D'accord. Mais okay. C'est DS Fashion que je travaille beaucoup. D'accord. C'est lui-même qui a fait cette tenue, même mon tenue de... Le jeu de premier. OK. Hey. Y a quoi? Vous-même. Alors, Manaja, tu travailles avec des stylistes pour mettre sur pied ta marque. Bah, oui. Et ça va sortir quand? Ou c'est encore en projet? C'est encore en projet. Est-ce que tu penses à tes parents que tu as laissés au village? Est-ce que tu pars au village souvent? Je pense toujours avec eux. D'accord. Je pense toujours. Oui, oui. Il y a une question. Manaja, au premier de là, quand tu es monté pour prendre le trophée là, on t'a vu, tu es monté avec une femme. Yeah. Tu dis que c'est ta camarade comment? C'est ma camarade. Bon, attends, mets ça en pause. Voilà. C'est un béret qui doit mettre ça en pause. Bon, garde ce papou là. Village. Tu pars au village? Je pars au village. C'était quand la dernière fois que tu es allé au village? Bon, pour le moment, ça fait moi, quelques jours. Depuis le retour des États-Unis, je n'ai pas encore parti là-bas. D'accord. Donc, depuis que tu es revenu aux États-Unis, je n'ai pas encore parti là-bas. Non, non, non. Généralement, quand tu reviens de voyage, que tu pars là-bas, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu fais quoi? Bon, je vois ma maman. D'accord. Je vois mon grand frère. Tu pars souvent au champ? Oui, je pars au champ. Au champ, je pars au champ pour aller manger. Souvent, dans le champ, là, les foutus, on appelle ça Gogo. Bonkro. 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 Les Baoulés, c'est quoi? Ceux qui sont Baoulés, ils connaissent ça. Hé, allez voir. Tu vois, il y a les Baoulés, ils savent plus. Les Baoulés, mais vraiment. Au moins, ça n'en fait. Alors. On met dans ma mite. Quand tu prépares un yam là, tu mets tomates, oignons, tout dans. Il faut arrêter, il est midi FN, il y a un pancro. Alors, donc, dis-moi, quel est le. Depuis que tu es une star, quel est le plus gros cadeau que tu as fait à ta maman? Le plus gros cadeau que j'ai fait à ma maman, j'ai acheté 8 pains de. 8 complets de pain pour elle. Et puis je l'ai fait passer à la télé. Et puis bon, il y a les projets. Bon, j'ai en train d'essayer de construire au moins une maison pour elle. Bravo. 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 Donc, le béret. Tu disais quoi? Au premier, on annonce manager confirmé. Viens pour ton prix. Il est accompagné. On lui demande c'est qui? Il dit c'est ma camarade. C'est sa camarade. Ma camarade, comment même? Camarade, c'est ma camarade. Comment? Quand il dit ma camarade, bon. Mm-hmm. C'est ma copine, mais la relation là, c'est pas encore trop serré. Quoi. C'est ce qu'elle n'aime pas chez toi. Hey. Tu vois? C'est ta camarade, c'est pas serré comment? Non. C'est ça ou même c'est pas ça? Non, pour le moment, c'est pas encore ça d'abord. Mais puis tu l'as affiché non, comme attends. Ça devant non, les gens. Non, mais c'est ma non, tu l'as affiché là. Parce que... C'est ma camarade? Bon. Est-ce que tu veux qu'elle soit ta femme? Bon, ça. Bon. Tout là, tu veux, tu as dit, c'est ma chhh. Ma camarade. Ma camarade. Hein? Maf, camarade. Si est-ce que tu veux la prendre pour épouse? Bon, c'est une femme qui est très belle. Oui. Elle est très jolie. Oui. Elle est attirante. Et puis, si c'est le moins, elle a ça. Donc, bon. En fait, tu es vraiment confirmé. Ouais. Hein? C'est ça. Donc, elle a ça. Elle a ça. OK. Maintenant, pourquoi tu veux pas confirmer ça? Bon, pour le moment, il ne peut pas confirmer parce que ce n'est pas encore confirmé là-bas. Vous vivez ensemble? Bon. Président, est-ce que vous vivez ensemble? Parce que c'est ça, c'est la bonne question. Parce que quand tu dis que ce n'est pas encore confirmé là-bas, bon, tu l'as dragué? Tu l'as dragué? Oui. Non. OK. Tu l'as dragué, elle a accepté. Elle a accepté. Non, mais c'est que ça, on est... Non, non. Ah, OK. Non, parce que si elle accepte, oui. De venir prendre le trophée avec toi, oui. Ça veut dire qu'elle va t'accompagner dans toutes les étapes de ta vie. Non, elle voulait venir, mais comment elle avait un truc. Tu as vu, donc elle voulait venir ici. Donc, voilà. Donc elle a accepté, là. Oui, oui, elle a, bon, elle a accepté. Oui, elle a accepté. Voilà. Maintenant, qu'elle a accepté, est-ce que.
Donc tu es dedans. Ça veut dire que, bon. Un peu. Voilà, un peu. Ah. Est-ce que tu n'es pas en train d'essayer de mettre brillant dans ses yeux en l'envoyant dans les coins pour que les gens la voient? Non, je veux dire que... elle était pas de la blaguer, essaie de l'impressionner. Elle envoie, tu vois, là, elle t'a accompagnée pour le prix, tout le monde l'a vu. Oui. Peut-être que tu veux la pousser à t'aimer comme ça. Hein? Non. Mais elle t'aime vrai. Hey, elle m'aime moi, hein. Oh. Ouais, Manaja, tu as confirmé. Alors, Manaja, tu as abandonné le mannequinat, tu as fini le mannequinat. Non, je suis dans le mannequinat. Tu es toujours dans le mannequinat. D'accord. C'est à cause du conseil que j'ai stoppé. Tu as stoppé un peu. D'accord. Cher papoua, chère papouase, voici pour vous, pour votre plaisir, Manaja a confirmé en prestation. Manaja confirmé dans le live et Facebook de Showbuzz. Et puis, il va vous répondre après. On te souhaite bonne chance pour la suite de ta carrière, champion. Merci et puis, n'oubliez pas, il a son concert le 4 janvier 2025. Affaire à suivre. On va marquer une autre pause et puis on revient juste après. Nous sommes de retour pour la 3e partie de Showbuzz. Nous allons recevoir maintenant notre 2e invitée. C'est une très belle dame. Elle, c'est Miss Mali. Elle a participé à Secret Story. Recevons Maïmouna Keïta. Maïmouna Keïta. Voilà. Bonjour. Bonjour. Bienvenue en Papouasie. Merci beaucoup. Le peuple, il est chaleureux, il est très, accueillant. Très, 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 très chaleureux.
Alors, Maïmouna Keïta, Miss Mali, qu'est-ce qui t'emmène à Abidjan? Alors, déjà, bonjour à tous. Merci les Papouas, merci le président, merci à vous. Je suis venue en Côte d'Ivoire, ça fait quelques semaines, c'était pour un brunch, le brunch art, qui est un événement qui réunit tous les acteurs de l'art. C'était un beau brochette d'art, c'était vraiment beau. D'accord, c'était magnifique. C'était magnifique, magnifique. À voir. D'accord, il y a eu beaucoup de personnes? Oui, il y avait beaucoup de personnes. D'accord. Et c'était intéressant de voir que l'art pouvait ramener tant de personnes de pays différents, parce qu'il y avait le Mali, il y avait le Niger, il y avait le Cameroun, nous étions L'Afrique était réunie. L'Afrique était réunie. Super. C'était un bon placali. D'accord. Alors, est-ce que devenir Miss était un rêve pour toi? Oui, c'était un rêve d'enfant. Bon, déjà à 5 ans, j'aimais bien l'été. Je veux être mannequin, je veux faire ci, je veux faire ça. Et voir que ça se réalise, que j'ai une couronne sur ma tête, que je suis Miss Mali, je suis élue plus belle femme malienne. C'est un rêve d'enfant qui se réalise et ça fait chaud au cœur. Est-ce que tes parents t'ont encouragé? Est-ce que ça a été facile? Le béret, en fait, mon père m'a vu sur scène avec une couronne. Ils n'étaient pas au courant. Ils n'étaient pas au courant? Personne n'était au courant dans la maison, à part ma petite sœur. Chez nous, on dit que tu es sortie d'un dos. Forcément, en fait. Et il me voit avec une couronne sur la tête. Il se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quand est-ce qu'elle est partie? Mais cette fille-là... Tu ne t'es pas fâchée? Non, mon père, c'est un amour. C'est le premier amour de ma vie. C'est une personne très, très compréhensive qui me soutient dans tout ce que je fais. Et le fait de faire ça dans le dos, ce n'était pas malsain, c'était juste pour eux les préserver. Parce que chaque fois que je fais quelque chose, ils sont avec moi. Ils sont là vraiment émotionnellement. Et quand ça ne marche pas, ils sont aussi affectés. C'était un peu leur dit merci et de prouver ce que tu sais faire. Exactement. Et surtout les protéger si jamais ça ne marchait pas. Parce que je connais mon père, il est très émotif. Et quand quelque chose me touche, c'est comme si ça le touchait deux fois. D'accord. Et je ne voulais pas en fait, qu'il stresse avec moi. On te met la couronne, tu arrives à la maison et comment il réagit? Déjà, on me met la couronne. On ne s'est pas vus pendant des semaines, déjà, parce qu'on était dans mise au vert. Bien sûr, ouais. Après, il y a les protocoles et tout. Deux semaines plus tard, je dois venir à la maison. Impatient de voir sa fille parce qu'il est là, il ne m'a pas vue. Ça fait quelques semaines. Il se met à pleurer dès que j'arrive. Il me prend dans ses bras, il me fait un câlin, il dit « Je suis fière de toi ». Et cette phrase, ça m'a fait fondre en larmes. En fait. Oh, okay. Magnifique. Alors, raconte-nous ton mandat. Comment ça se passe? Mon mandat, il est un peu spécial, un peu comme moi. Tout se passe comme Dieu le veut, dans le sens où, après mon couronnement, je me dis, je vais prendre mes activités non lucratives et tout ça, et je me retrouve dans une autre émission, Secret Story. Je dis, d'accord, ma petite, laisse les choses venir à toi. N'essaie pas de trop programmer, parce que les choses ne se passent pas forcément comme on le souhaite, mais comme il le faut. D'accord. Et est-ce que tu es en contact avec Miss Côte d'Ivoire? Non, je ne suis pas du tout en contact avec elle. Pourquoi? Bah, je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas le moment. Hein? Oui. D'accord. Mais la connexion va certainement se faire hein, entre vos différents groupes et effectivement. Tout. D'accord. Voilà, tu as participé à Secret Story. Oui. Raconte-nous, comment ça s'est passé l'aventure? C'était tumultueux. C'était tumultueux, mais c'était bien, ensemble. Pas eu de... Parce que là-bas, là, il y avait des clans, tout ça. Là. Toi, tu n'avais pas ton clan là-bas? De clan, non, je vous dirais non. Parce que j'avais pas de quiproquo particulier avec qui que ce soit dans la maison. Mais j'avais compris que c'était un jeu de stratégie, de sortir dans le dos. Et donc, forcément, je me suis dit, ton clan, c'est toi. Fais attention à toi. Surtout que la première semaine, j'ai été la première sacrifiée du 10 clans dont j'étais membre. Et depuis là, je me suis dit, bon, vas-y, ma petite, fais ton jeu comme tu le sens. Et comment tu as vécu la victoire quand Awa Sanoko a été la gagnante? Franchement, j'étais contente pour elle. Parce que je me dis que ce qui est à toi est à toi. Ça ne sert à rien de jalouser qui que ce soit. Toute personne a son étoile. C'est à elle de gagner. Elle a gagné. Je suis heureuse pour elle. Et j'espère que ça lui apportera beaucoup, beaucoup de bonnes choses dans sa vie. D'accord. Et comment tu as vécu ton secret révélé? C'était chaud. Mon secret révélé, ça m'a remis en fait. Tu peux nous rappeler déjà qu'est-ce que c'était? J'ai découvert à 18 ans que j'étais adoptée, que ma tante d'amour, que j'aimais beaucoup, c'était ma tante préférée, était ma réelle mère. Et celle avec qui j'ai grandi, c'était juste ma tante. Oh. C'est ça. Est-ce que ça a changé quelque chose? Beaucoup de choses. Ça a changé beaucoup de choses. Quoi par exemple? Déjà, je me suis dit, pourquoi moi? Pourquoi moi, en fait? Parce que mon père, alhamdoulilah, il a beaucoup d'enfants. Il en a 11.
Et je me suis dit, pourquoi moi? Après, je me suis dit, bon, après, c'est ta destinée. Mmh. Tu devais passer par ça. Et aujourd'hui, quels sont les rapports entre les membres de la famille? Les rapports sont parfaits. Tout va très bien entre eux. C'est une famille. On est au Mali, on est en Afrique. Peu importe ce qui se passe, on reste toujours unis. D'accord. Mimi? Avec celle qui est ta maman, bon, celle que tu as découvert comme ta maman. Ma mère biologique. Voilà, vos rapports sont comment? Est-ce qu'elle s'est excusée de t'avoir cachée, tout ça? Est-ce qu'elle était fautive de quelque chose? Je ne pense pas. On est en Afrique, les choses se passent comme ça. C'est comme si on donnait un enfant à élever. Mm-hmm. Forcément, la mère biologique ne va pas venir tout le temps dire que je suis la mère. Elle va vraiment rester en retrait parce qu'elle l'a fait pour que les liens de famille se consolident. D'accord. Donc, ça a juste consolidé l'aventure Secret Story. C'était quoi ton objectif quand tu as participé à... Déjà, c'était pour le fun. Mm-hmm. Voir déjà qu'est-ce que je peux faire de plus. J'aimerais pousser les limites. Je suis une personne qui n'aime pas rester dans le cadre. Non, je trace mon chemin. D'accord. Écoute, ça a été un véritable plaisir de te recevoir sur ce plateau. Et puis je sais que tu as de très belles perspectives, que Dieu t'accompagne dans tout ce que tu vas entreprendre. Amen. Et puis ça nous fait plaisir d'être là. Il faut qu'on l'appelle Miss Mali. Alors, celui qui va refermer l'émission s'appelle Chris Le Bling. Show News. D'accord, Show News. Show News. Show News. Allez, Show News. Allez. Il s'appelle Chris Le Bling, il viendra tout à l'heure. Mais avant, on a Brice. Boris qui est en Zambie, parce que la Côte d'Ivoire va jouer contre la Zambie et on a besoin de savoir comment vont nos joueurs. Boris, est-ce que tu es là? Bonjour. Bonjour le président de la Papouasie, bonjour à tout votre gouvernement et puis salut au Canada. Dans mes oreilles comme ça. Est-ce que vous nous recevez? Oui, c'est pépère, hein, on t'entend, tout va bien ici et chez toi? Mais ça va très très bien. Merci de nous rejoindre en Zambie, précisément Ndola, dans le quartier des Tranchées ici, Hospital Road Abroad. C'est ici que les éléphants sont logés, ils ont établi leur camp de base pour le match de la 5e journée face au Chipolopolo qui va se jouer demain. D'accord. Et quel est leur état d'esprit? Comment ils vont? Comment ils se sont préparés? Alors déjà, il faut savoir que les éléphants ont quitté Abidjan autour de 15h48 pour rallier la Zambie. C'est autour de 23h20, heure locale, 21h20, heure d'Abidjan, que l'avion transportant l'équipe nationale a atterri à l'aéroport Simon Moussa Kapwepwe. L'équipe est à... J'ai vu le vol a duré pratiquement 6 heures. L'équipe est en pleine forme. Malheureusement, une fois arrivée sur le tarmac de l'aéroport, il n'y avait pas de bus pour transporter nos joueurs jusqu'au hall de l'aéroport. Donc, c'est à pied. Malheureusement, ils ont dû rallier le hall. Mais en moins de 15 minutes, ils ont réussi. On a pu faire les mesures administratives avant de quitter l'aéroport pour rejoindre notre quartier général. Ce matin, il y a eu la conférence de presse d'Emer Faye. Il faut savoir que l'équipe se porte très bien, il n'y a pas de blessés, rien à signaler au niveau de l'infirmerie. Et Emer Faye a signifié dans ses propos en conférence de presse que c'est vrai, l'équipe nationale est qualifiée, la Côte d'Ivoire est qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Mais, ils ne sont pas démotivés. Ou j'ai envie de dire que la motivation a doublé parce que les Ivoiriens ont un double objectif, d'abord gagner pour leur statut de champion d'Afrique, mais gagné parce que la dernière confrontation entre les Chipolopolo et les Ivoiriens, aussi Angola, s'est soldée par une cuisante défaite, 3-0. Et les joueurs ont bien envie de prendre une revanche sur cette équipe ici, dans cette ville. Et donc, c'est une formation ivoirienne gonflée à bloc qui va essayer demain de remporter les 3 points de la victoire. Ce qu'il faut savoir, c'est que cet après-midi, j'ai envie de dire ce soir, en début de soirée, il y aura la séance d'entraînement de veille de match de l'équipe. Ce sera à 18h, heure locale, 15h, heure d'Abidjan. Et donc, on aura la capacité de voir, on aura la possibilité, plutôt, de voir comment nos joueurs se portent, comment ils vont. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce matin, c'était séance repos pour tout le monde, histoire de récupérer, de bien récupérer, pour bien s'entraîner cet après-midi et puis bien aborder le match de demain. D'accord, merci Yves-Boris. Merci infiniment pour le boulot abattu. Tu transmettras nos salutations aux éléphants de Côte d'Ivoire et tu leur diras que toute la Papouasie les soutient. Voilà. Il faut savoir. Ouais, merci. Ben voilà. Alors, c'est terminé cette émission, cher Papouas. Il va venir. Et Chris Le Bling, il est avec nous. Chris Le Bling.
Christ Bling, merci d'être là. Bonjour, bonjour, ça faisait un moment. Alors, attention, merci. Alors, on va écouter quoi là Tout à l'heure, on va écouter On est dedans. On est dedans. On est toujours dedans. On est toujours dedans. On doit faire le show. On doit faire le show, on doit rien laisser. Ouais. C'est difficile, c'est compliqué, mais on est dedans. On est dedans et c'est sur ça qu'on va se laisser. Prenez soin de vous. On vous laisse en compagnie de Christ Bling et d'ici là, portez-vous bien. À demain. Merci. Santa Maria, Bobo Bolo Fuente, c'est Chris Lebling, Escavision Pro. Les jaloux, les sorciers qui sont assis sur ta vie, ils ont tapé poteau. On dit qu'il a dit à Didi de te dire qu'il dit c'est fini pour toi. Celui-là a dit, moi a dit, ils ont raconté, ils ont beaucoup parlé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Toi qui prêches ma vie comme ça, sache que ça fait niver les camps. Faut ta balle, la baisse ton coron. Hey, ton coron, ah, Dokali. On veut aller. Ok, on est dedans. Escavision Pro Auto. C'est Chris Lebling, le Santa Maria. Bobo Bolo Fouetti. Certes, bon, on a ménagé, c'est bon maintenant. Ça te dit, c'est dit, t'es galé coupé. Satan, il m'énigue, foulou, ça va pas faire, t'as pas coupé les galons. T'as pas, mais autant, ça fait mon gros maca, Mickey, les gars, bébé, tu dis, attends, c'est dit, javanais. Faut lever les mains pour danser, y'a pas tant, c'est gâté. Les puissants en mouvement, y'a bendo, y'a les choses, j'ai ménagé, à Chinchilla. Tu rentres dans les veines, babourou, ça va si ma baisse à tout revenir. Passe le temps pour pas voir le temps de t'amuser. Le coucou, t'as pété, oh, c'est bon. Charlie guitar. Basse. Danser sur les mains. La Hollande, amusement est bon, hein. Mais le travail d'abord, autorité n'a pas ça. En début de semaine, tout le monde est pressé pour aller au travail. Moi, je cherche chacun pour soi, mais Dieu pour tous. Tout le monde est chaud, tout le monde attend, tout le monde est chaud, tout le monde est chi. La prothèse, nous menons là-bas, tout le monde est bloqué. Ok, on est dedans. Yves Coupé, Kikis DJ, c'est son les mains. À la manière d'être debout. La Tanki, Asco de Monaco, DJ Arubas, DJ Meko de Paris. La semaine continue, ma chérie c'est con. Toi devant ton derrière, c'est de là à là, faut me parler, tchèque. C'est chacun pour soi, mais Dieu pour tous. Il dit, c'est pas con, regarde sur les mains, ça vient. Élisée Collier, attention sur les mains. Mon pour Franck ici, mon vieux Eric Petit. Attends, une question. Ça vous dit Zoua, Gadogou, la star. Mais quel est ton style de danse préféré? Steph B, Zouglou. Oh yes, man, people, yes. Nyawa, people, yes. Mes épiers, people, yes. Coupé, décalé. Coupé. Décalé, coupé. Mori le moula, le mieux là-bas. Bop. Bien mort. Poussez-le là-bas. Y'a tourbillon. Léger, mon pacho. Il n'y a pas de ma. Il n'y a pas de ma. Oh, et DJ Mano Paque. Ça va nous mettre, ça nous met. Si y'a ton démon, si y'en avait nous, ça va y venir. Hâte, hâte.